Les petits drapeaux français. Une belle victoire parce que je pense que sur l'ensemble du match, on mérite. Après, on a manqué un peu de justesse dans le dernier geste ou l'avant-dernier. Donc c'est une belle victoire, ouais. Collectivement, ça va faire du bien. Ça, c'est anecdotique. Mais voilà, ça fait plaisir pour le collectif, les efforts fournis ensemble. Et voilà. Un corner. Après, ça dégage et c'est Saki qui met un long ballon sur Marie. Et je vois qu'elle est un peu en train de reculer. Et je me dis peut-être qu'elle va faire la remise. Et elle a fait la remise, Marie. Et j'ai eu de la réussite, elle aurait pu passer en l'air. Mais bon, on s'en fiche, elle est dedans. On n'est pas encore qualifié, donc il ne faut pas s'enflammer, loin de là. Mais c'est important, c'est important. Contente parce qu'en plus Marie ben, venait d'entrer. Comme je dis, ça vient récompenser les efforts de l'équipe. Et collectivement, ben, on a vu, c'est tout sauté dessus, c'était content, donc c'est tout. Ouais, ouais. C'est important, surtout que c'est à l'extérieur, donc non, on est contente. Maintenant, on va bien se reposer, voilà, c'est la fin du stage, avec deux victoires, donc c'est positif. Beaucoup d'occasions pour nous, voilà, elles ont mis beaucoup de pression, comme j'ai dit, on était à l'extérieur. On arrive à mettre ce but, voilà, donc c'est très positif. Quand on arrive à rencontrer des grandes nations, comme la Suède aussi, on sait qu'il va falloir être là physiquement et mentalement, donc c'est ce qui s'est passé ce soir, donc on est contente. On a une place de leader, donc on est fiers, on va continuer. Sachez qu'aujourd'hui, vous avez fait votre meilleur match depuis un an qu'on est là. Allez, on doit encore s'améliorer dans la finition, dans les 25 derniers mètres, mais félicitations dans l'état d'esprit, dans le pressing, tout, c'était magnifique. Bravo. Bravo l'équipe. Tu vas chanter. Le pire, c'est mal.